Good morning, allez, Iden, les suçons aujourd'hui le Lunishmat Avraham, Mordechai Ben Yitzhak, Vefani, ainsi que le Fouat Arav Baruch Shmuel, Ben Lea Betor, Shachol Israël. Et si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude du Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions à Masechet Moed Katan, Perek Aleph, Mishnah Vav. En chofrin kuchin ou kvarot bemoed, aval mechanchin et kuchin bemoed. Veosin nivrechet bemoed, varon imamet bechatser, abiyudo oser, et lemken yesh imon et sarim. Bon, désolé, je vous avais prévenu que Moed Katan, on va parler beaucoup des morts, du deuil. Là, pour le moment, ça commence relativement souplement. C'est le qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer les enterrements à Chol HaMoed. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? Alors, la Mishnah commence à me dire tout d'abord. Il y a plusieurs choses qu'il faut faire pour un mort. Il faut creuser des tombes, qu'elles soient déjà préparées. Ouais, c'est pas le jour où il y a un mort, on va se mettre à creuser de rien du tout. Quand vous allez voir au cimetière, vous allez voir qu'il y a des parcelles qui ont déjà été prédéfinies, qui ont même été creusés un petit peu, même ils ont déjà mis, surtout à notre époque, on met tellement de briques en dessous et tout ça. Donc du coup, ça a déjà été bien prévu. Ça s'appelle creuser un cour ou une enquever. Un cour, en fait, en réalité, c'est qu'ils avaient l'usage de... C'est encore fréquent à Sanhedria, j'ai jamais vu ça, mais j'ai des enfants, ils sont déjà partis voir et tout ça. Il y a des... À l'époque, ils enterraient dans des miarotes, dans des grottes, ils creusaient sous terre, on rentrait, et puis là-bas, il y avait plusieurs endroits où ils intéressaient comme ça toute la famille. Ils faisaient tous des cimetières familiaux. Ça s'appelle des kouchines, des cours, des... Je sais pas comment dire, des... Dans une sorte de... Ils creusaient une grotte, en fait, sous terre, ils allaient faire, et puis là-bas, il y avait... On allait caser là-bas plusieurs morts, en même temps. Eh bien, tout ça, on n'a pas... Alors, maintenant, comme je vous ai dit, c'est pas au moment où il y a le mort qu'on va se décider, maintenant, à se mettre à creuser. Ça peut prendre plusieurs jours. Donc on creuse plutôt, comme ça, après, quand il y a besoin, c'est déjà prêt. Eh bien, la Mishnah m'enseigne qu'on ne pourra pas creuser tout ça pendant Chol HaMoed. Ouais, tu n'auras pas le droit de creuser, pour, étant donné que c'est pas en vue de tout de suite, c'est pour plus tard que tu le fais, tu n'as pas le droit de le faire. Aval mechanchin et tekurin b'moed. Cependant, on a quand même le droit de préparer, puisque c'est sur qui mitzvah, finalement, au cas où, on va peut-être en avoir besoin nécessairement sous peu, on a le droit, malgré tout, si tu as déjà creusé, mais qu'il y a besoin de... soit plus élargir, plus rallonger, plus raccourcir, eh bien, on a le droit d'être, c'est ce qu'on appelle mechaner, dans le sens mechaner, c'est-à-dire inaugurer, là, j'ai du mal à comprendre c'est quoi inaugurer, mais là, c'est plus dans le sens de rallonger, raccourcir, modifier un petit peu les tailles, là, tu as le droit de le faire pendant Chol HaMoed, premièrement. Deuxième sujet, voici Nivrechet Bemoed, on a le droit aussi de faire une Nivrechet, c'est une sorte de bassin, pendant Chol HaMoed, c'est un bassin, en fait, parce qu'on a deux avis, dans la Gemara, ici, le partenaire apporte juste un bassin où on lave le linge. On a le droit de le creuser, et donné que c'est quelque chose qu'on fait de manière très simple, on pousse un petit peu la terre, et puis ça fait déjà ce bassin pour frotter le linge. On faisait pas quelque chose de très, très sophistiqué. Et il y a un avis. Un deuxième avis, qu'on parle en fait, qui est en rapport toujours avec le mort, c'est un endroit où ce qui fait la belle mort, là, c'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'efforts, beaucoup de précision. C'est de manière très grossière, tu déblayes de la terre, et tu prévois que là-bas on va pouvoir le laver. Donc là, on a le droit de faire ça, cette nivrechet, ce bassin pour le laver. Va Aaron imamet bechatser aussi, on a le droit de faire un Aaron, si de faire un cercueil. Ils avaient aussi l'usage d'enterrer dans des cercueils, en rapport avec ce que je vous ai dit, les grottes, ils mettaient les gens en fait dans des cercueils, en bois, des boîtes, et ils le mettaient, et ils restaient comme ça. Je ne sais pas s'ils fermaient la boîte, je sais pas, concrètement, ça manque un peu d'informations dans la Gemara, mais ils laissaient donc, ils mettaient une boîte, un cercueil. Et la Mishnah me dit, si le mort il est déjà là, alors on a le droit de fabriquer un cercueil en bois. Ça c'est l'avis de Tanakama, tandis que Rabbi Yehuda, il interdit de fabriquer un cercueil. Et la imken yesh imon esarim, sauf s'il a déjà les bois, c'est-à-dire, si tu as déjà des bois taillés en tasseaux, je te permets de faire le cercueil. Tandis que Tanakama, il te dit, même si tu n'as rien du tout, tu vas chercher du bois et tu commences à les tailler pour en faire des tasseaux et ensuite en faire un cercueil. Donc c'est la marque de son droit de fabriquer un cercueil complètement à partir de zéro ou juste si on a déjà des bois déjà prêts. Ok, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.